Bonjour à tous, Sébastien Guilleux pour Bouman et Evolution. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter en exclusivité le nouveau boomerang de chez Decathlon. Alors, c'est un boomerang que l'on a conçu en collaboration entre Decathlon et donc Boomerang Evolution et moi-même. Une ligne complète de boomerang, bipal, tripal et quadripal. Et donc aujourd'hui, présentation en détail du bipal, qui est un bipal donc en polypropylène injecté. Un bipal asymétrique, ce qui veut dire que la pale d'attaque est différente de la pale de fuite. Un boomerang donc d'une épaisseur d'environ 4 mm, légèrement chanfreiné ici sous la pale d'attaque. Voilà, pour une plus petite portée. Une portée d'environ 30 mètres. Donc un boomerang inspiré de la famille des hooks. Les hooks, ce sont ces boomerangs de distance, avec une très très belle courbe, très belle trajectoire, très ronde, très lente, et avec laquelle on peut largement anticiper pour se positionner et rattraper son boomerang. Donc voilà, je suis très très fier de ce boomerang. On peut largement le plomber en bout de pale ici pour lui donner une portée d'environ 40 voire un peu plus, 40 50 mètres peut-être. Donc là, je ferai des essais un petit peu plus tard. Donc je viens tout juste de le recevoir et c'est vraiment un plaisir. Je suis vraiment très heureux et très fier de cette collaboration avec Decathlon. Donc vous retrouverez ce boomerang très prochainement sur votre site. Un boomerang très sympa. Je pense que c'est l'un des meilleurs bipals que je peux trouver en ce moment, des boomerangs injectés. Donc vraiment un boomerang qui se rapproche des boomerangs de compétition, mais vraiment adapté au grand public. Donc on est déjà là dans un boomerang assez technique. Ce n'est pas une simple banane qu'on peut trouver dans les supermarchés. C'est vraiment un boomerang performant. Et je pense que vous ne serez pas déçu de son efficacité. Donc j'essaierai de vous donner des petits trucs pour l'améliorer dans une prochaine vidéo, notamment en ce qui concerne les dièdres et les incidences. Voilà, donc on est parti sur le terrain pour le tester. Voilà, donc nous voilà sur le terrain pour tester ce fameux boomerang tribord Decathlon Boomerang Evolution. Donc boomerang en polypro injecté de la famille des hooks. Donc c'est parti, on va venir le poser sur le vent. J'en profite pour rappeler les bases du lancer. Donc on tient le boomerang en bout de pale, entre le pouce et l'index replié. Le boomerang en arrière pour donner un maximum de rotation. Ce boomerang réclame un angle relativement incliné. Voilà, c'est-à-dire largement à 45 degrés. On va simplement le poser sur le vent, sans forcer. Hein, il va surfer sur le vent. Donc c'est parti pour quelques essais. Voilà, donc il est bien parti. Une trajectoire d'environ 30 mètres, il revient sans problème. On va faire un deuxième essai. Hop. Voilà, un petit peu bas. Il monte un petit peu, du coup, on se positionne, trajectoire très lente. Et voilà, deuxième catch assuré. Un excellent boomerang, hein, qui est quand même issu du milieu de la compétition là, comme beaucoup trop bas, du coup il monte beaucoup plus haut. Il va malgré tout se stabiliser. Voilà, il est donc très tolérant. Vous pouvez également le plomber en bout de pale, une portée donc de 30 mètres qui pourra facilement passer à environ 40 mètres. J'ai pas encore testé, je pense que ça peut faire ce qu'on appelle un bon boomerang d'aussi round, hein, pour aller à une certaine distance. Toujours une très belle trajectoire. Hop. Voilà, je sais pas si vous pouvez le visionner. Hop. Et de nouveau le catch. Voilà, excellent. Voilà, je pense que je suis vraiment très très fier de cette collaboration. Encore une fois, donc, je vous conseille ce boomerang. Commencez par vent calme, puis ajoutez un peu de plomb quand il y a du vent. Voilà. Je vous dis à très bientôt. On va essayer de faire quelques lancers au ralenti. À très bientôt.